Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui expliquera comment connecter sa Raspberry Pi au réseau 3G de l'opérateur Mobilis en utilisant la clé ZTE MF667. Dans une précédente vidéo, nous vous avons expliqué comment connecter la Raspberry Pi au réseau 3G de l'opérateur Ooredoo grâce à SACIS. Dans cette vidéo, nous n'allons pas utiliser SACIS car la clé ZTE MF667 est reconnue par la Raspberry Pi comme une interface Ethernet, ce qui rend sa configuration plus simple. Pour commencer, l'on va vérifier que notre clé a été bien reconnue en utilisant la commande LSUSB. Nous remarquons que la clé est bien reconnue. Maintenant, nous allons vérifier que la clé a été bien reconnue par la Pi comme interface Ethernet en utilisant la commande ifconfig. Nous remarquons bien l'existence d'une interface ETH1. La prochaine étape consiste à modifier le fichier interfaces du répertoire /etc/network en ajoutant les lignes suivantes. Auto ETH1, iFace ETH1, INET DHCP, HW Address Ether, suivi de l'adresse MAC de la clé. L'on sauvegarde le tout et on reboot. L'on peut vérifier que l'on est bel et bien connecté à la 3G en utilisant le browser en mode ligne de commande Lynx. Comme vous pouvez le voir, nous sommes redirigés vers la page d'accueil de l'opérateur où on pourra convertir notre crédit en mégaoctets pour se connecter à Internet. Voilà, c'est fini pour cette vidéo qui, nous l'espérons, vous aidera à rendre votre Raspberry Pi plus mobile pour des applications futures. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Open Hardware Algérie sur Facebook, ou bien interagir avec des personnes qui s'intéressent au monde de l'open source hardware en Algérie sur notre groupe Facebook. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.